Et salut tout le monde, c'est Mathis aujourd'hui une nouvelle vidéo. Un petit tuto, comment arrêter un PC à distance. C'est-à-dire, mettons, vous voulez faire un tour à vos potes pendant qu'il est sur son PC, vous l'arrêtez pendant le nombre de temps que vous voulez. Donc c'est très marrant, j'allais faire un de mes potes tantôt, j'ai rigolé. Et en plus, il m'a rappelé ensuite et j'ai dit que c'était moi et c'était vraiment drôle. Bref. Donc, pour cela, c'est très facile. Donc, il faut juste avoir un PC. Donc, après, ça va se faire avec CMD. Donc, invite, commande. Invite de commande. Donc, vous écrivez ça dans le menu démarrer. Et après, vous écrivez, quand vous arrivez sur invite de commande, vous arrivez et vous écrivez shut down espace tiret i enter. Donc si vous avez ça, c'est bon. Donc vous commencez. Donc ici il est ajouté et nom des ordinateurs. Donc là il faut vous rentrer l'IP de l'ordi du PC à vos potes ou à peu importe la personne hein. Pour trouver l'IP, aussi on peut faire ça à des inconnus. Vous pouvez aussi faire URL URL host, plein de trucs, donc comme ça. Donc ça. Donc, admettons, vous arrivez, son IP, c'est ça. Donc, 196.6.78.218. Donc, je fais copier. Là, c'est une personne que je connais pas, hein, donc, copier, coller, OK. Là, je vais faire arrêter le système pendant 30 secondes. Puis là, vous êtes obligé de mettre un commentaire, genre, je sais pas moi. Lol. Ok, lol. Ok. Là, vous faites OK et l'arrêt du PC de l'IP que vous avez mis est en train de se faire. Ah, regarde, voici, ils me disent maintenant que le nom de l'ordinateur entré n'est pas valide ou l'arrêt de distance n'est pas pris en charge par l'ordinateur ciblé. Donc, vérifiez le nom. Je crois que c'est un nom ou l'adresse IP, mais peut-être c'est le nom. Donc, admettons, on va essayer Fabio PC. OK. Shut down. I. On va essayer. Donc c'était Fabio. Hop. Fabio. PC. Bon, ça n'écrit pas en majuscule, mais bref. Arrêtez le système. 30 secondes. Lol. On va essayer. Non, ça n'a pas encore marché, mais c'est mieux quand c'est le PC à un de vos potes, parce que des fois ça marche pas, il y a des petits bugs, je sais pas. Donc c'est ça. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc je vais faire un petit retour quelques secondes pour un petit résumé comment faire. Donc premièrement, vous allez dans le menu démarrer, vous écrivez invite, commande. Donc après, quand vous arrivez, vous écrivez shutdown. I. Donc shutdown shut sans espace down espace un trait d'union i. Donc vous faites enter. Là vous faites ajouter soit l'IP de l'ordinateur ou le nom de du PC. Bon, l'adresse IP du PC ou le nom du PC. Donc après vous choisissez à annoter l'arrêt non planifié, soit redémarrer le PC, soit arrêter le PC. Là, arrêter les utilisateurs de l'action, vous cochez. Et là, vous choisissez le nombre de temps. Vous pouvez mettre 100 secondes, c'est-à-dire 1 minute et demie de temps, à peu près.
Donc, autre planifié, là, je sais pas c'est quoi. En tout cas, vous mettrez autre, puis vous écrivez un petit commentaire. Même vous êtes même pas obligé de l'écrire. Ben oui, vous êtes obligé. Mais ça peut être LOL ou votre nom ou un petit commentaire genre je vous ai fermé votre ordi, veuillez patienter ou je sais pas quoi. En tout cas, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Et aussi je vais mettre la description de ma page Facebook. Donc allez aimer la vidéo si vous voulez plus d'activités sur moi. Donc bye, à la prochaine. Peace tout le monde.